Bien bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Top Top et aujourd'hui on se retrouve pour la quatrième partie sur le Let's Play de Spyro 2 Ryptos Rage sur PlayStation 4. Souvenez-vous, dans l'épisode précédent, on avait fini le monde de la forêt d'été, ou presque, puisqu'il nous reste encore la plage ensoleillée à faire. On avait aussi battu le premier boss Crush, on avait découvert le monde des plaines automnales, on avait appris à grimper. Et aujourd'hui, donc, on va continuer notre aventure donc en finissant le monde de la forêt d'été à fond, car maintenant que j'ai appris à grimper, on va pouvoir faire le monde de la plage ensoleillée. Et on va enfin pouvoir commencer donc le monde 2, les plaines automnales. Et donc, bah, on est parti donc pour le niveau de la plage ensoleillée, c'est parti. Donc plage ensoleillée que j'avais déjà fait, mais bon, je l'ai fait à la va-vite. Hein. Donc maintenant, on va le faire sérieusement. Alors comme d'habitude, j'espère que ce let's play vous plaît toujours autant, hein, comme d'habitude. Voilà. Allez, on est parti donc pour ce monde. Alors je vais pas trop reparler au personnage pour le talisman, hein, puisque bon, le talisman, souvenez-vous, c'était juste de ramener les bébés tortues qui sont là en sécurité. Allez, vas-y, petite tortue, active-moi ce bouton, voilà. Impeccable. Ouais, on va faire ça tout de suite. Voilà, il y a un petit passage juste ici. Alors Mister Tortue va juste monter sur ton dos pour que je puisse accéder à la plateforme au-dessus. Tu me veux, toi? Ouais, tu parles. Ah, je vous jure. Alors, les étoiles de mer qui va donner des papillons. Impeccable. Alors là, on va passer ici. Olé. Qu'est-ce que tu me veux, toi? Saleté de nageur. Non mais ça suffit, voilà. Vous avez fini de faire mumuse avec l'électricité? Non mais... Des canards avec des bouées canards en plastique. Comme c'est original. Alors tiens, par contre, la petite particularité que je vois là ici, c'est ça, c'est ouvert, la grotte est ouverte en fait. Alors que dans l'original, cette pièce était complètement fermée, on voyait pas le dehors. Oh, c'est très joli, on se croira en vacances, vraiment. La plage, oh, c'est super beau. Ça fait un peu penser aux vacances, hein, Spyro. Non? Bon, toi, tu préfères certainement les rivages du dragon, je suppose. Allez, on enchaîne, on va pas perdre trop de temps non plus. Alors maintenant, voilà, maintenant que j'ai appris à grimper, voilà, on va pouvoir grimper tranquillement. Hop là. Enfin, d'ailleurs, oui, c'est vrai que je vous l'ai déjà montré, la grimpette avec le niveau de lueur. Alors ici, on va demander à la petite tortue d'aller activer le bouton. Sympa, ces idoles-là. Aïe! Saleté! D'accord, l'étoile de mer est amoureux de moi ou je sais pas quoi. Alors là, la supercharge n'est pas encore activée. Les marins ont capturé presque tous nos bébés tortues. Et ils les mettent dans des boîtes très solides. Avec une attaque de flammes plus puissante, tu pourrais les libérer. Voilà, donc là, je vais avoir donc le bonus super flamme. Alors, on récupère tout ce qu'il y a, voilà. Impeccable. Alors par contre, il me faut 11 ennemis. Et pour le moment, je n'ai pas le compte. Ok, 10. Encore un. Voilà, tu dégages. Ok, on a les 11. Donc voilà, maintenant la recharge est activée. Les ouvriers marins ont capturé presque tous nos bébés tortues. Et ils les mettent dans des boîtes très solides. D'accord, ils répètent la même chose pour si vous voulez. Donc maintenant, le but pour moi, ça va être d'utiliser la recharge de super flamme pour détruire les caisses qui sont juste ici, dans laquelle sont enfermés les bébés tortues. Alors par contre, il y en a 7, hein, ouais. Alors la deuxième, elle est là-haut. Évidemment, je ne l'ai pas pété, sinon c'est pas drôle. Ok, impeccable, 2, 3.
Alors la quatrième, elle est là-bas. J'espère que j'aurai le temps. Oh putain, vite, 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 vite. Voilà, elle est juste là. Ok, impeccable. 4. Il en reste 3. Vas-y, récupère-moi tout ça, mon cher Spyro. Les tortues sont tout contents que je les ai libérées. D'accord, la petite étoile de mer qui danse. Si vous voulez. Par contre, ouais, je vais récupérer les joyaux du coffre. Tu n'avais un paquet de joyaux ici. Allez, on enchaîne. On va aller détruire les boîtes restantes. Alors, pour les boîtes restantes, il en restait... Voilà, il y en a un à l'intérieur. Voilà, donc la technique, appuyer sur le bouton et tirer, hein, tout simplement. Et rien de bien compliqué là-dedans. Ensuite, ici, on a une autre boîte. Et la dernière. Aïe! Saleté! Oh, trop tard! Dommage! Dommage, voilà, la dernière, elle se trouve juste ici. Hein. D'accord, je suis bloqué. Oh là là, t'as, j'ai cru que j'étais bloqué quoi. J'ai pas envie d'être bloqué, merci. Alors 13, ouais. Bon, par contre, il manque toujours une boîte. Hein. Donc on va reprendre la charge, voilà. Et on va pouvoir y aller. T'as, je le trouve vraiment super beau Spyro comme ça, hein. Sans déconner, je sais pas vous. Mais moi, je le trouve vraiment très joli, hein, vraiment. Il est magnifique. Et dans l'eau, je le trouve encore plus beau. Vraiment. Voilà, et 2-7. Impeccable. Très impressionnant. Tiens, prends ce machin magique comme gage de notre gratitude éternelle. Merci beaucoup. Et voilà un orbe de plus. Ah, et on passe le cap des 20 orbes. Ah, cool. Alors, on va reprendre la charge pour le plaisir. Même si là j'en ai plus besoin. Hop là. Et puis je te kiffe moi Spyro comme ça. Tu es trop kiffant. Bon, je crois qu'ici c'était tout. Bonjour. Donc on va aller là. Il y a un cuistot en haut de cette échelle qui veut faire de la soupe de tortue. Tu peux grimper et l'en empêcher. Bah oui. On va essayer de lui en dissuader. Alors qu'est-ce... Oh tiens, d'ailleurs pareil, c'est bizarre puisque le chef à l'original il était là, hein, il était à gauche. Là ils l'ont mis à droite, bon si vous voulez. Hein. Les amis tortues feront une excellente soupe si je les attrape. Essaie de les sauver si tu veux, mais je suis vraiment très affamé. Ouais, tu parles. Donc mon but à moi... Hein? D'accord, je peux pas aller dans l'eau. Bon si vous voulez. Donc le but pour moi, voilà, ça va être de pousser les tortues dans l'eau, voilà, pour les protéger et ne pas qu'elles aillent dans la marmite. Voilà. Non, 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 tu vas pas à la sous-soupe. Putain, il est même pas dans l'eau, quoi. Allez, va dans l'eau. Voilà, impeccable. Bon, tu as sauvé quelques tortues, mais il en reste beaucoup d'autres. Tiens. Prends cette orbe et disparaît. Ok, un orbe de plus. Mais c'est pas comme ça que tu vas m'en dissuader, hein, mon chou. Si tu approches davantage de la marmite, je fais encore sonner la cloche. Eh ben, je le ferai quand même. Moi, je dois sauver les tortues. D'ailleurs, c'est bizarre parce que, pareil, dans l'original, la caméra était fixe. Là, la caméra n'est pas fixe du tout, hein. Non, non, non. Mais... Putain, mais je peux pas l'air pousser. Non, 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 non. Ne va pas là-bas. Toi non plus. Ok, impeccable. Alors, où est le... Oh. Non, 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 va pas dans la marmite. Non, 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 non. Ne va pas dans la marmite. Alors, ah. J'allais dire, le prochain, il veut pas venir. Allez, dégage. Ok, impeccable, là-bas. Non.
Alors le prochain. Où est le prochain? Oh, bah alors. Qu'est-ce que je t'ai dit? Ne va pas dans la marmite. T'as, c'est pas fini? Allez, je crois que c'est le dernier, lui. Si je me trompe pas, ça doit être le dernier, lui. Ou pas. Voilà, c'est bon, impeccable. Zut, tu as sauvé toutes les tortues de la plage. Tiens, prends ça. J'allais acheter des patates avec, mais je n'en ai plus besoin. Bah fais une soupe de légumes si tu veux, mais pas une soupe de tortue. Ok. Ah, j'ai obtenu un nouveau trophée sauvé. Ok, j'ai obtenu toutes les orbes. Tous les orbes même. J'ai plus qu'à trouver le reste des joyaux. Alors, où est le reste des joyaux? Ah, il doit y en avoir en dessous. Il n'y en a pas ici? Non mais Spyro, tu peux nager s'il te plaît? Ah oui, il y en avait trois ici, impeccable. Alors les dernières, je crois qu'elles sont là, non? Non. Et non. Alors, où est-ce que j'en ai oublié encore? Une fois de plus. Dans le bassin? Peut-être. Ah oui, il y en a un là. Ah, et j'en ai encore oublié, mais c'est dingue. Bon, vas-y, guide-moi. Oh, pareil, c'est bizarre parce que avant, dans l'original, quand on fonçait dans le chef, il... Comment ça... Sa toque, elle se baissait sur lui. Et il avait du mal à la remettre. Oh, oh c'est bizarre qu'ils ont enlevé des petits trucs comme ça. C'était marrant à l'époque. J'aimais bien. Bon, vas-y, Sparks, guide-moi parce que là, je sais pas trop... Ah si, je crois savoir, attendez. Là-haut. Non? Oh, parce que j'ai oublié alors. Hein? Ah là! Putain, j'en ai encore oublié, mais c'est pas vrai. Alors, Sparks, où tu m'emmènes maintenant? Là-bas, punaise. Ok! 400 sur 400 joyaux, plage ensoleillée, niveau terminé, parfait. Il me semble qu'il n'y avait pas de point d'aptitude ici, rassurez-moi. Non, prochain point d'aptitude, ce sera la terre de Skellos. Ouais, c'est pas encore maintenant. Donc tout va bien. Aïe. Désolé, petite tortue. Je voulais pas. Voilà. C'était gratuit celle-là. Allez, on va pouvoir partir d'ici. Et donc là, maintenant, on peut le dire, forêt d'été, monde terminé. Et petites tortues qui font mumuse. C'est trop mignon. Ok, 1600 joyaux. Donc pour ce monde de la forêt d'été. Et ben c'est cool. On va pouvoir passer au monde 2. Alors le monde 2. Il faut que je reprenne une plateforme de téléportation. Et normalement il y en a une près du boss, si je me trompe pas, oui voilà. Plaines automnales. Allez, c'est parti. Alors par contre, je me tâte à savoir par quel niveau je vais commencer par contre. Oh si, je pense savoir. Allez, c'est parti donc pour ce monde des plaines automnales. Et on va commencer
par le niveau voilà qui se trouve juste au-dessus. Voilà, qui est juste ici. Oh là, du calme. Voilà, et on va commencer par ce niveau qui est le glacier de cristal. C'est parti. Ouais, voilà, Spyro qui peut aussi faire ses petites roulades dans le temps de chargement. C'est vrai que je vous l'ai pas encore montré, ça. Mais ça fait plaisir. Mais ça fait plaisir. Moi, j'adore. 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 Les pauvres. Donc voilà, donc pour le but pour ce glacier de cristal, bah ça va être de dégeler tous les petits esquimaux qui sont là et essayer d'atteindre la fin au niveau du chef qui s'est fait prisonnier par les monstres de glace. Spyro, les sorciers de glace ont emprisonné notre chef, le chaman de Tuc. Tu peux nous aider à le délivrer? C'est urgent. Il a nos billets pour le match de hockey de ce soir. Un peu bizarre la voix quand même, hein, le c'est urgent, il avait oublié. Oh, c'est bizarre parce que dans l'original, pareil, il avait une toute petite voix. C'était peux-tu nous délivrer le chef chaman Tuc? C'est urgent. Enfin voilà, c'est il avait une voix plus douce. Là, ils l'ont mis vraiment une voix très grave, quoi. Si tu montes dans la catapulte, nous te ferons traverser. Ok. Oui, parce que vous voyez là, il y a un gros abîme là qui est juste là. Je peux pas du tout sauter dedans, hein. Donc il faut absolument que je monte sur la catapulte. Yeah! Olé! Aïe! Bon, par contre, vous trois, je sais pas comment vous allez faire pour traverser, vous, hein. Vous allez rester là pour l'éternité. Aïe! Non, mais ça suffit! Donc évidemment, si vous... Si vous dégelez les esquimaux alors que vous n'avez pas tué les monstres, évidemment les monstres vont recongeler les esquimaux. Hein. Enfin, je vais vous faire la démo. Voilà, là vous voyez, j'ai dégelé l'esquimau et là voilà, il s'est fait regeler le pauvre. Voilà, donc il faut bien dégeler tout le monde. Voilà, le mur qui se trouve juste là. Aïe, désolé. Hop là. Impeccable. Alors là, on a des espèces de... Voilà, de souris. Oula. De souris avec des nez de glace, là. Bon. Un peu bizarre. Ça va. Ok, impeccable. Toi, tu dégages. Non, mais couché. Les monstres qui font joujou entre eux, hein, aussi. Hein. Allez, dégage. Ok, 12e paire d'énergie. Couché. Par contre, vous voyez, il m'en faut 15 hein, de perte d'énergie pour activer. Bonjour, la Spyro. Mission. Je peux t'aider à traverser ce pont contre un dédommagement. Oui, 200 joyaux, comme d'habitude. Merci, Spyro. Je vais pouvoir me payer ce studio à Urikos dont j'ai envie depuis longtemps. Va, traverse le pont. Ah, Urikos, il pleut beaucoup quand même. Hein. Ah, pareil, la même animation. Ah, c'est sympa, c'est sympa. Attention de l'autre côté de ce pont. Je ne veux pas qu'il arrive quelque chose à mon meilleur client. Ouais, je crois qu'il y a que moi, en fait, qui te paye dans ce monde, hein. Dans ce monde d'Avalar. Qu'est-ce que tu me veux, toi? Toi aussi. Non, mais... Bon, alors, maintenant que j'ai les 15 boules d'énergie, on va pouvoir aller faire
la mission qui se trouve juste là. Comment ça va, Mustave? Alors vous inquiétez pas, ces ennemis vous feront pas de mal, hein. Autrefois, on faisait visiter ces grottes, mais aujourd'hui, elles sont infestées de monstrioles. Ils vont s'emparer tôt ou tard de notre village. Tu crois pouvoir nous en débarrasser? Mais oui. Super, mais souviens-toi, tu dois t'en débarrasser rapidement. S'ils restent en vie, ils continueront à se multiplier. Eh oui, donc il faut vraiment que je les tue tous et très rapidement. Car les survivantes vont se multiplier. Et il y en a 18 quand même, hein. Alors 4, allez 5, oh là, 6, 7, 8, oh là 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 là, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18, impeccable. Tu nous as épargné un sinistre destin. Merci d'accepter cet orbe en gage de notre gratitude. Merci pour l'orbe et j'ai obtenu un nouveau trophée, le tueur d'insectes. Je ferai aussi en sorte que tu reçoives toujours des cônes glacés gratuits. Ouais, pour un dragon qui aime plutôt la chaleur, bon, c'est quand même sympa, merci. Bah sinon tu peux me les donner à moi, hein. Moi j'aime bien les glaces, moi. T'as su mon gourmand, moi, maintenant. Ok, impeccable. Alors ici, ouais, y a encore des joyaux là qui traînent. Impeccable, bon bah je crois qu'on est bon. Donc on va pouvoir remonter. Aïe, si je peux. On va prendre la recharge, voilà. Enfin le tourbillon plutôt. Le tourbillon. Mais Spyro, tu vas remonter s'il te plaît. Je te remercie. Allez vas-y, on passe ici. Et on va aller faire tout de suite la deuxième mission de ce niveau. Du calme. Une petite vie, ça fait toujours plaisir. Alors la deuxième mission, pardon, elle est juste ici. Avec ce chaman qui nous attend. J'ai perdu mon léopard des neiges apprivoisé. Je pêchais et il a disparu. J'espère que les monstrioles n'ont pas dévoré Georges. Ah bah j'espère pour toi aussi. Mais t'inquiète pas, on va le retrouver ton léopard des neiges. Alors le léopard des neiges, voilà, il est juste ici. Oh, il est tout mignon. Et le but donc là pour la... En fait cette mission pardon va se passer en deux étapes. Donc première étape, vous suivez le léopard des neiges. Vous le suivez, vous le suivez. Bon évidemment je ramasse aussi ce qu'il y a à ramasser, vous vous en doutez. Allez vas-y mon grand, avance. Oh, il est tout mimi. Il est tout mimi, ce léopard. Voilà, et le truc, voilà, c'est qu'en fait, il a faim. Oh, il est tout mimi. Oh, mais j'adore, j'adore. C'est vraiment une mission toute mignonne, celle-là. Oui, donc je disais, cette mission va se passer en deux étapes. Donc, première étape, vous le suivez et vous lui donnez des petits poissons. Parce qu'il a faim, le petit mignon. Oh, il est tout mimi. Mais j'adore, j'adore. Ah, c'est ça, il essaie de pêcher avec sa patte. Oh, c'est trop mignon. Mais c'est trop mignon. Et voilà, et maintenant, deuxième étape. Maintenant qu'il a plus faim, bah, il va vous attendre. Voilà, et c'est maintenant qu'il va vous suivre. J'ai peur quand même avec ses grandes dents. Hein. On est amis tous les deux. Oh, c'est trop mignon. Allez, viens. Suis-moi. Voilà, et maintenant il va vous suivre et il faut le ramener donc à son propriétaire. Ah, mon mignon. Oh, mais il est tout mimi. J'adore, j'adore. Mais j'adore, il est tout mimi. Tu as trouvé Georges? Oh, je suis si heureux.
Je ferai bien plus attention à lui, désormais. Je n'ai rien d'autre à donner que ce machin brillant que j'ai trouvé en pêchant. Prends-le si tu veux. Mais bon, je vais peut-être paraître être nostalgique, mais je préférais le premier Léopard des Neiges, celui de l'original. Franchement, il était beaucoup plus mignon que lui. Même s'il est mignon aussi, hein, franchement. Hein. Mais moi, je préférais quand même l'original. C'est la nostalgie qui me parle, là. Ok, on a récupéré donc tous les orbes du niveau, donc il n'y a plus qu'à récupérer le reste des joyaux. Et à libérer le chef Aïe. Non, mais... Oh là 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 là. Donc voilà, le chef, vous voyez, qui se trouve à l'intérieur, il est en prison, le pauvre. Couché. Non mais... Fini, oui. Ok, impeccable. Merci, Spiro. Accroche-toi bien une seconde et chaud devant. Sûrement un moyen de me sortir de là sans me faire rouler sur la tête une boule de neige de 2 tonnes. Tiens, prends ce cristal. Je l'ai échangé contre des billets de hockey. Oh bah les pauvres Esquimaux, ils vont être déçus. Mais merci pour le talisman, ça fait plaisir. Et évidemment, je n'ai pas tous les joyaux. Punaise, où est-ce que j'ai encore oublié des joyaux? Nom de Dieu. Ah bah oui, j'ai oublié le joyau de Disp. Quelle andouille. Ah, oh, et j'en ai encore oublié, mais c'est dingue. Où est-ce que j'ai oublié des joyaux? Là-bas. Vas-y, guide-moi, Sparks. Alors, où? Non, c'est pas ici, en fait. C'est pas là. Bon, bah, demi-tour. Demi-tour, demi-tour. Alors, où est-ce que j'ai encore oublié des joyaux? Hein? Là-bas, donc c'est de l'autre côté. C'est de l'autre côté. Alors, c'est où? C'est où? C'est pas ici. Oh putain, mais c'est où? Mais non. Mais si je fais des chutes comme ça, maintenant on est mal. Hein. Oh punaise, mais où est-ce que j'ai oublié des joyaux une fois de plus? Première zone de jeu? Non. Attendez, mais où est-ce que j'ai oublié des joyaux? Hein? Ah là. Ok, c'est bon. 400 sur 400 joyaux, glacier de cristal, niveau terminé, parfait. Impeccable. Allez, on va enfin pouvoir quitter ce niveau. Ok, parfait. Ouais, c'est un peu débile hein, quand même. Ils sont débiles. Mais c'est trop mignon, j'adore. Comme d'habitude. Bon, je regarde mon chrono. Bon, on a encore le temps de faire un niveau. Donc je pense qu'on va faire le niveau jumelle. Car dans ce monde des plaines automnales, il va y avoir deux... Enfin, j'ai même envie de dire quatre niveaux qui vont être, entre guillemets, jumeaux. Donc c'est le niveau donc du glacier de cristal et le niveau du pays Skellos, voilà, qui se trouve juste ici. D'ailleurs qui s'appelle Terre de Skellos et non plus pays maudit d'ailleurs, puisque dans l'original il s'appelait le pays maudit. Et là il s'appelle la Terre de Skellos, bon si vous voulez. Et donc ces deux niveaux sont un petit peu jumeaux. Car dans le niveau glacier de cristal on était dans un niveau plutôt de glace et de froid.
Et pour ce Terre de Skellos, on va plutôt être dans un environnement plutôt désertique. Avec des personnages qui vont aussi un petit peu se ressembler, vous allez voir. Mais comme d'habitude, je vous laisse avec la petite cinématique de début de niveau. Mais vous êtes pas gentil. Et donc dans ce niveau, donc il y a aussi deux points d'aptitude. Donc le quatuor de chat volant et tous les cactus. Hey dragon, pareil que t'es à dur, j'ai parié avec mon cousin Glug que tu ne pourrais pas traverser cette terre sans te faire rosir. Ouais ouais, bah je crois que t'as mal fait de parier hein. Donc les pauvres indigènes qui sont ici, vous voyez, se sont carrément fait brûler et c'est à moi d'essayer de les libérer de ces monstres. Alors pour le premier point d'aptitude, tous les cactus, bah c'est très simple, il faut que je brûle tous les cactus du niveau. Voilà, ce qui va pas être bien compliqué, vous allez voir. Dégage. Alors là on n'a pas bien vu mais sa tête était encore visible hein. Vous allez voir après. Aïe, saleté. Saleté de minou, bah. Ah, je vais vous montrer là. Voilà, sa tête est encore là. Voilà, et elle explose. Donc il faut faire très attention à ne pas se prendre la tête de l'ennemi. Qui peut vous faire prendre des dégâts. N'est-ce pas, mon grand? Donc ça, c'est bon. Alors on va accéder ici et on a une. Première mission qui nous attend. Spiro, notre village se fait attaquer par des lézards de lave. Peux-tu nous en débarrasser avant qu'ils ne mangent mes amis? Je vais abaisser le pont pour que tu puisses te rendre sur place. Voilà, donc merci pour le pont. Et là, le but, donc, ça va être de tuer tous les lézards volcaniques. Bah, avant qu'ils mangent les indigènes. Et normalement, ouais voilà, normalement on voit les œufs bouger avant qu'ils éclos. Oh les 5, 6, 7 et 8, impeccable. Bien joué mon gars. Prends cette chose que nous avons trouvée, c'est de bon cœur. Merci Lumpy. Ah mais j'adore la pose que Spyro fait. On dirait qu'il y a d'autres œufs de lézard. Es-tu prêt pour un autre défi? Eh oui, sauve les villageois encore. Bah oui, car là, d'autres de lézards qui arrivent. Avec ces ptérodactyles là. Et c'est reparti. Donc là, cette fois-ci, le défi est un petit peu plus corsé. Alors là, faut bien regarder. Voilà, 4. Merde. Non, 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 non. Non. Non, toi là-bas. Vite. Ok, 7. Où est-ce qu'il est le dernier déjà? Merde, là-bas. Non. Non. Encore merci de ton aide, Spyro. Tu mérites une autre récompense. Tiens, j'allais m'en servir de veilleuse. Mais elle sera beaucoup mieux en ma possession. C'était juste hein, quand même pour cette dernière phase. C'était très très juste. Ok, 26ème orbe impeccable. Alors là-haut vous voyez un espèce de monstre avec un os là. Il faut essayer de le faire descendre. Et surtout de récupérer l'os qui va se servir pour une autre mission qui sera utilisée plus tard. Mais on peut commencer la mission maintenant, il n'y a pas de souci. Voilà, merci pour l'os. Et il y en a 8 à récupérer. Le petit chat, tu restes là. Aïe. Ça suffit. Ok, deuxième os récupéré. Plus que 6.
Alors, qu'est-ce qu'on a là? Alors là, on peut pas passer puisqu'il nous faut 16 boules d'énergie. Et pour le moment, j'en ai que 14. Non, 12 plutôt. Je sais pas pourquoi je disais 14, mais bon. Alors là, on a une barrière d'os à péter avec la roche volcanique. Ah, j'allais dire. Voilà, impeccable. Ok, troisième os récupéré, plus que 5. On récupère tout ce qui vient. Et on continue. Petit chaton, tu restes là. Aïe. D'accord, complètement raté, mais c'est pas grave. Restez là, restez là. Ok, donc maintenant que j'ai les 16, on va pouvoir passer ici. Voilà, et prendre la supercharge qui est ici. Donc c'est un bouclier qui me fait résister aux flammes. Oh, sympa la couleur de Spyro, j'aime beaucoup. Ah, et Spyro qui est comme s'il était une roche volcanique. Ah, c'est génial. Ah ouais, puis ses cantes, ses ailes, tout ça, c'est en feu. Ah ouais. Ah, et puis il dégage une espèce de fumée noire d'ailleurs. Ah ouais, oh, c'est super bien fait. Mais franchement, je trouve que Spyro, il est magnifique avec toutes ses supercharges. Je trouve qu'il est magnifique, sans déconner. Il est super beau. Que tu me veux, toi? Coucher. Voilà, et c'est ce personnage voilà, qui va nous parler des os. Quelle tristesse! Ces immondes crapauds de lave ont volé les ossements de mon ami. Aide-moi à le reconstituer. Il sera beaucoup plus amusant ainsi. Voilà, le pauvre là, le pauvre squelette qui n'a plus de vie. Et c'est à moi de lui retrouver tous ses os. Alors là, vous voyez une espèce de jarre mystère, donc avec un point d'interrogation. Le but, bah, c'est de la détruire. Mais le truc, voilà, c'est qu'elle va réapparaître à un autre endroit. Et cela jusqu'au bout. Qu'est-ce que tu veux, toi? Aïe. Ok, je me suis foiré. Putain. Ok, bon, c'est pas très grave, je récupère une vie juste ici. Donc, il n'y a pas de problème avec ça. Olé, qu'est-ce que tu veux, mon mignon? Moi aussi, j'ai craché des boules de feu. Non, mais... Putain, mais... C'est honteux, ce que je fais. Ok, encore une vie, ça fait toujours plaisir. On passe à 23 vies. Ah ouais, Spyro, t'es vachement plus beau comme ça, la vache. Laissez passer le dragon. Oh là là. Ok, 5... Alors là, on va passer ici, voilà. Car il y a le sixième là. Alors vous voyez, ces espèces d'ennemis ne font rien. Vous voyez, ils sont complètement débiles. Avec leur nonos là. Ah, je vous jure. Ok, sixième os récupéré. Alors là, ici, il y a des joyaux aussi. Faites gaffe. Hein. Ils sont pas très visibles les joyaux là, hein, comparé au. Un certain niveau. Et là, vous voyez cet endroit, voilà, ça vous rappelle rien? Voilà, c'était un des tableaux qu'on avait trouvé dans Spyro 1, souvenez-vous. Ok. Alors là, on a un autre nonos. Voilà, impeccable. Et de 7. Plus qu'un. Et le dernier, voilà, il se trouve juste ici. Impeccable, et de 8. Merci Spyro. Maintenant, je peux remonter mon ami. Prends ceci en gage de ma gratitude. Une fée me l'a laissé il y a quelque temps. Et merci pour l'orbe. Voilà, et maintenant qu'on a récupéré tous les os, eh bien le squelette va pouvoir être reconstitué. Ah, j'allais dire qu'il fait pas sa petite danse, mais s'il l'a fait. Bravo, on l'applaudit. Ah, c'est génial. D'accord, et la musique reste tant qu'on est à côté de lui. Ah, d'accord. Ah, si vous voulez. Alors, pour le deuxième point d'aptitude, voilà, que je vais quand même vous remontrer, voilà, qui était le quatuor de chat volant. Et bien, le quatuor de chat volant se trouve juste ici. Et le but, ben, c'est de brûler les quatre.
et de niquer les 4 surtout. Donc c'est pour ça qu'on va servir des roches volcaniques. Si je m'en sors, évidemment. Voilà, dégage. Sale bête. Sale bête. Ok, 3. Et le quatrième. Impeccable. Et donc voilà le point de compétence. Parfait. Et voilà le deuxième point de compétence des cactus. Impeccable. Galerie d'art déverrouillée. Ah oui, c'est vrai, maintenant que j'ai rempli la première page, bah maintenant la galerie d'art est déverrouillée. Et ben on verra ça en fin d'épisode. Alors 2214, il me manque encore des joyaux. Où est-ce que j'ai oublié des gemmes? Ah bah là, tiens. Ok, alors ensuite. Vas-y mon cher Spark, je te suis. Ah bah oui, il reste la jarre mystère. Il doit rester la jarre mystère. Alors la jarre mystère qui est repartie au début. Voilà, elle est juste ici. Hop là, impeccable. Et vous voyez, donc quand on a reparti au début du niveau et qu'on détruit la jarre mystère, eh bien il y a plein de joyaux qui sortent. 400 sur 400 joyaux, parfait. Il ne reste plus que le talisman à les récupérer. Ah, il est magnifique Spyro comme ça. Mais je l'adore, je l'adore. Franchement, ça a été super bien travaillé, hein, n'empêche. Bravo. Excellent, tu as réussi à traverser la région. Je savais que je remporterais mon pari. Gronk est idiot de parier contre un dragon. Je te donne ce talisman en remerciement. Eh bien, merci pour le talisman. Et maintenant, ben, Terre de Skellos, niveau terminé. Parfait, impeccable. Le pauvre. Et ils avaient des caméras à l'époque. C'est nouveau ça. Ils avaient des caméscopes. Ouais bon. Je crois pas qu'ils n'avaient à l'époque. Enfin bref. Allez, retour aux plaines Autona. Alors je regarde mon chrono. Ouais, je pense qu'on va s'arrêter là. Mais avant ça, comme j'ai débloqué la première partie de la galerie d'art, bah, on va voir un petit peu ce que cette galerie d'art nous renferme. Alors, voyons voir un petit peu cette galerie d'art. Alors, Spyro 2, Ripto's Rage. Oh, pareil, ils ont fait la même chose avec le premier Spyro. Donc là, ils ont remis la jaquette du jeu avec les graphismes de notre époque. Oh, c'est super sympa. Par contre, le problème, et ça, c'est ce que je répète aussi, c'est qu'on n'avait pas cette jaquette-là, nous, Européens. On avait la jaquette donc de Spyro 2, Gatowet Glimmer et non Ripto's Rage. Et donc ce n'était pas cette jaquette là qu'on avait. Dommage qu'ils n'ont pas remis aussi à côté la jaquette pour nous Européens. Ça aurait été bien. Mais non, ils l'ont pas fait. Bon, c'est un peu dommage, mais c'est une très belle jaquette quand même. J'aime beaucoup. Alors le chasseur, ouais. Richard le lézard rouge et le professeur. Oui, d'ailleurs, pour Richard, oui, gros sous, hein, mais pareil, moi je m'aimais mieux gros sous, hein, c'est bizarre qu'ils l'ont appelé Richard, mais bon, si vous voulez. Alors, ornithorynque ballon, kangourou voleur, éléphant escargot et rhinocéros escargot. Alors, ces ennemis-là, on va pas encore les rencontrer tout de suite, hein, ce sera dans le monde suivant. Yeti, chèvre et yak de colosse, ouais, donc ces ennemis, on les a déjà rencontrés. Faucon, poussin et perroquet, faiseur de brise, ouais, on les a pas encore rencontrés non plus. Bah ces ennemis là on les rencontrera dans l'épisode suivant. Alors dauphin spectateur, poisson spectateur et reine finie. Donc on les a déjà vus. D'ailleurs je vous avais dit que reine finie, je préférais plus l'original. Elle était plus belle dans l'original je trouve. Mais bon passons. Alors terraformer, arbre à ruche et buisson tueur. Ouais pareil, ces ennemis là on les rencontrera un petit peu plus tard. Krista, satyre et bipole faune. Pareil, on les rencontrera un petit peu plus tard. Patapouf, Bopip, Fire Grub, Caporal Glub, Sergent Tube et Colonel Blub. Ouais, bon pareil, on les rencontrera un petit peu plus tard aussi.
Oh, Juliette et Roméo, oh, c'est trop mignon. Pareil, ces personnages-là, on les rencontrera dans l'épisode suivant. Oh, c'est trop mimi. Belle carte de Saint-Valentin, j'aime beaucoup. Ah, j'aime beaucoup. C'est trop mignon, c'est trop mignon, c'est trop mignon. Trop mignon, j'aime beaucoup. Bon bah voilà, bah écoutez, je pense ouais, qu'on va s'arrêter là pour cet épisode. Voilà, un épisode bon qui aura été avec 3 niveaux, donc la pierre de Skellos, le glacier de cristal et la plage ensoleillée. Bon, c'est quand même pas trop mal. Et donc, voilà pour cet épisode. Voilà, donc c'était Top Top donc pour cette 4ème partie sur un let's play de Spyro 2 Rito's Rage. J'espère que cet épisode vous aura plu. Et donc dans le prochain épisode, eh bien on continuera ce monde des plaines automnales. Et en attendant, bah, moi je vous dis... à la prochaine tout le monde.